SOCAT, Fox Golf Kilo Québec Echo, bonjour. Fox Québec Echo en DR400 au parking, on quitte le parking et on roule le point d'arrêt pour la piste 03. Donc avant alignement, derrière verrouillé, tout à fait, ouais. Siège réglé, verrouillé, ça on est d'accord, ceinture attachée, c'est bon, commande libre, alors vas-y. Ok. Vaut les premiers grands. Circuit 900 pieds pour un toucher. Compensateur réglé. Mixture plein riche, j'avais dit que la molette je la sers toujours. Pression essence vérifiée. Ok, largement dans le vert. Pompe électrique sur on. Réchauffe carbu poussé froid. Magnéto bof, c'est bon. Instrument moteur vérifié. Ok. Transpondeur sur halt. La rotation est à 100 km/h. Si on a une panne mineure ou majeure avant la rotation, on décolle pas, on quitte la piste, on dégage et on va voir ce qui se passe. Ouais. Si problème mineur après décollage, on fait un tour de piste adapté, on atterrit et après on va voir ce qui se passe. Okay. Et si problème majeur après rotation, on rend la main de façon à avoir 140 km/h, on avait vu la dernière fois, et on se pose face en essayant de trouver un terrain dégagé. Voilà, avec un angle de 40. On se donne un angle de plus ou moins 30 degrés pour trouver un champ. Ok. Fox Québec Echo, DR400, point d'arrêt piste 03, on s'aligne et on attend pour décoller. Le transpondeur bien sûr. Ouais. Halt, on est bien en cap 030, on va recaler notre. Tu vois, il a pas mal dérivé. Ah ouais. Hop, c'est bon. Voilà. Ouais. Ok. Allez, on peut y aller, il a décollé lui. D'accord. Il a passé le seuil de piste. C'est bon pour toi, tu penses? Ouais. Ouais, on fera gaffe en tournant hein, de pas le gêner. D'accord. Fox Québec Echo aligné, on décolle piste 03. Allez, c'est bon pour toi. Qui a fait demi-tour déjà. Ah d'accord. Et puis il y a l'autre là-bas. Ok. Sierra Romeo DB, ok, 600 pieds. Volé. Sur le bon. Planeur. Et phare, je l'avais. Ouais, on n'avait pas mis le phare. Je l'avais pas mis. Là c'est bon, donc voler, pompe, barre. Ouais, celui d'atterrissage. Et le message. Fox Québec Echo en milieu de vente arrière pour piste 03. Fin de vente arrière un petit peu. Sierra Romeo, dernier virage, final 03 dur pour une option. Ah, c'est pas mal hein. Deux crans de volée. Deuxième cran. Ouais. Hop. Un petit peu devant. Ouais, donc voilà, on va chercher ton axe. Ouais. En final, hein, axe, plan, vitesse. Ouais. Et la vitesse, comme il y a un peu de vent, on peut majorer un petit peu. Hein. D'accord. 130 et 140. Socat Delta Sierra, excusez-moi, parking. Là pour moi le plan il est bon. Ouais. Et l'axe, putain j'ai du mal à le tenir. L'axe on a un petit peu à gauche mais ouais. Pas grand chose donc voilà. Faut garder un peu de dérive hein, avec le vent qu'il y a, c'est normal. Ouais. Voilà, bien visé, ton
point d'aboutissement. Je configure l'avion. Nickel. Tu peux y aller. Ah. Sierra Romeo, vent arrière 03. Ouais, je l'appelle peut-être à me reconfigurer aussi, mais... Ouais, mais ça, t'as le temps. Et là, on essaie de rattraper le plan. Ça va pas être facile parce qu'on est un peu haut. Je vire en base 03 à droite pour un toucher. Fox Québec Echo, final 03 pour un toucher. Allez, va chercher ton axe. Ouais. La vitesse, c'est pas mal, ça revient, on arrive sur le plan. Donc hop, dès que t'es sur le plan, voilà, tu remets un peu de gaz. Ah, attention, pas trop. Ouais. Là, on réduit tout. Ouais. Et on commence à le retenir. Ok. C'est pas mal, sauf que regarde où on est sur la piste. Ouais, on est un peu... on est à gauche. Allez, j'ai les commandes. Ok, je lâche tout. C'est reparti. La réchauffe, les volets, 100 km/h, rotation. Et on parle. Donc le basse hauteur, tu te rappelles, c'est le bout de piste. Ouais. Au moins 140 km/h. Ouais. On va dire 130. Et 100 pieds lourds. Donc on a les 100 pieds, on a le bout de piste, on a 140. Ok. Hop, sécurité, on se met en virage. 30 degrés d'inclinaison. Avec Echo, on se reporte vent arrière basse hauteur 03. Voilà, alors on reste incliné hein, à 30 degrés tout le long. D'accord. Et on va ressortir quand on sera parlé à la piste. Il n'y a pas de modèle radio aujourd'hui, ça tombe bien. Ah, on est vraiment bas, hein, c'est impressionnant. Donc là j'arrive parallèle à la piste. Ouais. Voilà, je vais me remettre touc, les ailes à plat. Et je monte à 500 pieds, donc ça fait 700 pieds sol. Hein. 700 pieds clénage, pardon, 500 pieds sol. Voilà, on y arrive. Donc là, je compense mon avion. Donc en vent arrière, il faut la chauffe. Ouais. La pompe, on l'a, les volets, on les a. D'accord. Donc on change rien. Et là, je vais voler jusqu'à avoir mon seuil de piste, là où je vais être arrière, à 45 degrés à l'arrière de moi. D'accord. D'accord. Donc tu vois le seuil, là, on le passe. Ouais. Il n'est pas encore à 45 degrés. Ok. Un avion qui se pose, t'as toujours notre motoplaneur qui est là-bas. Voilà, là j'arrive à peu près à 45 degrés, t'es d'accord? Ouais. Tac, donc hop, rebelote, 30 degrés d'inclinaison. D'accord. Pour ressortir face à la piste. Premier tiers du virage, je reste en palier. Ouais. Deuxième tiers, hop, je me mets en descente. Donc assiette, puissance. Hein, tout ça, ça se fait à 150. Ok. Voilà, et là, ce que je vais gérer, c'est l'interception de l'axe et du plan. D'accord. Fox Québec Echo, dernier virage 03. Ah, donc là, hop, quand j'arrive à moins de 20 degrés de mon axe et que je suis à moins de 20 degrés d'inclinaison, donc tu vois, que je descends un peu mon virage, ouais. Je sors mon deuxième cran de volet. Voilà, et là, on retombe sur notre axe. Donc là, comme on a du vent, on regarde la manche arrière, on a du vent un peu de la droite. Ouais. Là, si je reste droit, tu vois, je suis en train de faire pousser. Donc là. Hop, je suis obligé d'approcher un peu avec une petite dérive. D'accord. Et je vise bien le seuil de piste. À la vitesse, on est un peu faible, j'en remets un petit peu. Voilà. J'arrive sur le seuil, je réduis tout, et là je commence à arrondir. Je remets le nez de l'avion dans l'axe, voilà. Ok, ça roule. Hop, les volets un cran, la réchauffe. Allez, à toi les commandes. Ouais. Tu remets les gaz, c'est parti. C'est parti. Allez, 100 km/h, vas-y. Attention. On attend d'avoir 140 km/h. Ouais, 140, 100 pieds hauts, parce que là on les a pas, donc là il faut monter un peu. Par rapport à tout à l'heure, on va virer plus toi. Bon, le problème c'est qu'il y a, on va passer devant. Allez, 100 pieds en les ailes, bout de piste et 140, on va c'est dire bon. 130. C'est parti. Eh ben, allez. Sécurité. Ouais. Et attention, là par contre tu tires pas trop, là. Faut le laisser monter, mais en douceur. D'accord. Pied à droite. Là, tu ressors quand t'es parallèle à la piste. Je m'occupe de la radio. Hein. Ok. Fox Québec Echo, vent arrière basse hauteur 03.
Alors là on monte encore un peu, on va jusqu'à 700 pieds. Va pas trop sur la piste, hein, voilà, là faut que tu ressors. D'accord. J'entends pas ce qu'il y a. C'est casse bon mec. Voilà, palier. Là la chauffe, la pompe, les volets, on les a déjà. Pas parfait, c'est que la chauffe. Ouais. Quand tu vas être un peu près de la piste, hein, donc diverge un petit peu. Donc là c'est bon pour moi. Ouais, t'as encore un peu. Là on est à 45 degrés. Allez, okay. Top. Donc premier virage, on prend bien les 30 degrés. Ouais. Premier tiers, on descend pas. Le deuxième tiers, là c'est bon. Voilà, ouais, là, tu te mets en descente. Donc assiette et puissance en même temps. Ouais. Allez, tu continues ton virage. Accueille bien encore parce qu'en plus il y a le vent qui nous pousse un peu. Ouais. De la bille. 150. Fox Québec Echo, dernier virage 03 pour un toucher. Allez là, 20 degrés de la piste, moins de 20 degrés d'inclinaison, on réduit, t'es trop vite là. Regarde ta vitesse, réduit tout, sans les voler vite. Hop, je peux sans les voler. Ah, sinon. Au planeur, sans bouche, au début de la vente arrière pour la zone 3 Airbus Trafic. Ah, tu vois, on est un poil haut. Ouais. J'ai encore un poil vite. Allez, remise de gaz. Assiette, assiette d'abord. Pousser en même temps. Voilà, toute la puissance. 03 dur. Hop, et j'enlève les volets. Voilà. Et les volets d'un cran. Et sans pied. On y va. Longue finale 03 dur, retour une option. 30 degrés. 30 degrés, pas plus, la vitesse, hein. On essaie d'aller chercher 140. Et il est où lui? Et Fox Québec Echo en vente arrière basse sauteur 03. Voilà, tu remets les ailes à plat. Ah, tu vois, on anticipe un peu la dérive du vent. Hein. Je me remets comme ça, c'est bon. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien rester par la piste. Ouais. Ouais, on se met en palier, attention à ta vitesse, laisse monter ta vitesse. Hop. Voilà, la réchauffe. Pompe le reste, tout est déjà bon. Lui il est là-bas super loin, donc on va se poser avant lui. Sierra Romeo, je vais faire un 360 d'attente par l'ouest. Je passerai derrière toi. Ouais, ça va passer sinon, on est en basse hauteur. Ça fait partie de l'entraînement. Alors 45 degrés. Alors, on attend un peu, ouais, attends. 45 degrés, tu vois, c'est par rapport à l'aile, hein. L'aile est à 90, ton fuselage, okay, c'est d'accord. Au milieu, quoi. Ouais, là, c'est bon, allez, hop, top. 30 degrés. Voilà. Et là, tu te mets en descente. Assiette, puissance. Ok, Québec Echo, dernier virage 03 pour un complet. Voilà, allez, mets-toi bien en descente. Ok. Info du Fox Delta Charlie, bonjour. 20 degrés, tu peux sortir tes volets. Info, si les Fox Golf Chante Delta Charlie, un cap 10 au parking club. On va rouler au point Bravo, point 03 derrière le Jodel. Oh, ça arrive vite. Hein. C'est vrai que ça arrive vite sur la piste après. Hein. Ah bah ouais, après t'es tout de suite sur ton arrondi. Ouais, c'est bien, je t'en ai bien sorti. Ouais. Allez, réduis tout et retiens-le. Un peu. Le Sierra Romeo, je vais ça plus de temps. Ouais. 03. Longue finale. Ah, très bien. Parfait. Si je te laisse passer, Delta Sierra. Accélère. Non. Non. On va rentrer là. Ah, merde, je charge tout ça, tu laisses rouler assez vite comme ça, tu freineras d'accord. Avant de sortir de piste. Hein. Nickel.